Alors, allons chercher un petit peu ces Wyvern. It's going to fall. Miss Leia. Look out. Elise, are you hurt? I'm fine. I'm not fine. I'm not fine at all. Miss Leia, please wake up. Sorry about that. I'll have you fixed right up. Rowan, you're hurt. I'm so sorry. Never fear. It is merely a flesh wound. You just worry about yourself. I'm a doctor. Let me help. There you go. Easy does it. Thanks so much, Miss, The name's Isla. You're gonna be fine. Take it easy, Leia. You should sit down for a while. Hmm? That's... Thanks so much, Isla. That was really kind of you. Yeah, that was very nice of you to help. Not at all. That's my job. You folks don't look like you're from around here. What brings you to town? We're searching for wyverns. We heard we might be able to find some here. Wyverns, huh? In that case, you should head across the river. You'll find some big ones in cages over there. Go and see for yourself. That's great news! Thank you for everything, Isla. I'm just glad I could help. Well, I've got to run. Take care of yourselves. Bye now. Goodbye, and thanks again! Très gentille, cette Isla. Mais putain! T'as le rocher qui nous est tombé dessus. Bon. Les statues de Xiandu. I wonder how many statues are in Xiandu. Let's make a pop quiz out of it. Won't be much of a quiz if no one knows the right answer. Oh, then why don't I quiz you about the statues themselves? Like, Jude, name this famous figure. No good? Sure, why not? Let's go check them out. Human lives are short. That must be why they strive to preserve themselves as statues. Tiens, moi une, quête principale. So there are just rock slides from time to time? This is a really dangerous city. And yet the cliff looks stable in the area around the statues. We have to be careful here. I'll keep looking up while I walk. Ah! Careful now. You still have to look where you're going. An abundance of caution can be as dangerous as a shortfall. Right. Got it. A bum dance often can be as dangerous as a shortfall. Were you even listening? Putain. Oh là là. Bon. Allez, on regardera pas les statues, j'avais dit pas de quête secondaire. On se concentre, on reste sur la quête principale. Alors, qui est déjà assez long comme ça. J'en suis à combien de temps de jeu au fait? 11h47 de jeu. C'est pour savoir à peu près. Je sais que j'ai fini le jeu en temps d'heure. Such beautiful cloth designs. This is quite a fascinating culture. Mais t'as le petit monstre et tout, tout va bien. Ouais, il est gentil celui-là. Alors que toi, t'es en train de leur péter le cul. Putain, quand tu les affrontes. Alors, je crois que c'est par là. Who's a good wyvern? Who's a good wyvern? You there. What do you think you're doing? Those wyverns belong to our clan. We've come to take them. I'm pondering how to break the cages. Whoa! Mila? May we please borrow your wyverns? You can't be serious. Ignore these outsiders! We're running out of time to find a champion! Oh.
What? It's submitted to her without the use of beastcraft. These people might be our answer. Wait, hold on! You can't possibly be thinking of recruiting these fools! I'm Jürgen of the Katarl clan. You outsiders have arrived in Shandu at a crucial time for us. I'm sure you've noticed the crowds in the city. Once every decade, Shandu's clans hold a martial arts tournament. That tournament is tomorrow. Our chief is the clan's only fighter, but unfortunately, he is leagues away in the king's service. We're on the verge of having to forfeit the tournament. This is a desperate time for our proud and ancient clan. And yet, I sense a special power within you. Would you be willing to represent the Katarl clan as our champions? Heck yeah! Where do I sign up? Leia, he's asking all of us. Ah. If we enter the tournament on your behalf, will you let us borrow these wyverns? That's the bargain. But you must do more than just enter. You must win. I'll need to see a demonstration of your abilities beforehand as well. We can do it, right, Neela? Yes. We need those wyverns. Awesome! I always wanted to be in a real martial arts tournament. I'm stoked! You're sure it's okay for outsiders like us to participate in the clan's tournament? That's not a problem. Some clans have been known to recruit skilled warriors from the outside to boost their prestige. Huh. I figured you folks were bigger sticklers for tradition. I'm gone 5 minutes and you get us neck deep in contact sports? I can't take you people anywhere. Where have you been, little buddy? We were nearly squished! Sorry about that, Spud. I had a feeling you were all in trouble, though, so I came running. No harm, no foul, right? He a friend of yours? That's right. We're a package deal. Good. Then you can show me your combat skills. Come to the aerial arena. Got it. Eh ben voilà. First it's falling rocks, now it's howling wyverns. I hate Shandu. Donc les wyverns, hein, animaux à apprivoiser, qu'on va devoir monter dessus pour se barrer d'ici et atteindre enfin Fenmont. Mais avant, il faut aller au Colisée, évidemment. Comme toujours dans les RPG. Hein. Ah, tu veux ça? Bah attends, d'abord aide-nous. Bon, remarque, des combats dans le Colisée, ça ne me dérange absolument pas. Hein. Alors, animaux préférés. I can't believe they seriously keep monsters as pets. Azul sure is weird. I'd rather have a cute pet, like a dog or something. Oh, so you're a dog person. I am too. Same here. They're way funner to be around. Oh, come on. Cat beats dog any day. You dog types are just emotionally needy. Nowadays, it's cat owners who are the needy ones. Ugh, you put on fake cat ears and cat tails, saying meow after every other word. Absolutely ridiculous. What are you... who does that? True cat lovers admire cats for their independence. What about you, Elise? I bet you're a cat person. I always wanted to have a pinker pig. But I thought you were a teepo person. What's your favorite kind of animal, Mila? Me? You should know my favorite animal by now. It's you humans, of course. Bah c'est les animaux moi. C'est les humains moi, mes animaux préférés. Qu'est-ce que tu crois? Putain, n'importe quoi. Prenez un bateau pour atteindre le Colisée céleste. Alors le bateau il est là-bas. Bon. Ah n'empêche que c'est en tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même d'avoir autant de monstres comme ça apprivoisés. Ça c'est pas commun, hein, ça c'est clair. Vous allez pas voir ça dans toutes les villes. Hein. C'est ce qui fait un peu le charme aussi de Xiandu hein, quelque part. Allez, tac tac. Par là, bonjour. Attends, non. Merde. The allure of a well-kept beard transcends all cultural bounds. Oh, that's right. I have to write to my folks. Tell them I'm going on a trip. Leia, did you run away without telling anyone? You're a juvenile delinquent. Oh, relax, relax. Don't people always say if you have a cute daughter, show her the world? I have never heard that expression before. Your parents must be so worried. Well, you might be right. But I really wanted to go with you guys. Hmm. Perhaps if I wrote a few words to your parents, it would help to put their minds at ease. Thanks.
Dad's probably crying his eyes out by now. What about your mom? My mom? She's gotta be furious. She'd beat the living crap out of me if I came home now. Putain, je te jure. Allez hop. Allez, montez à bord. Allons au Colisée. Allez, j'ai toujours pas fait mes... Putain, j'ai toujours pas monté mes niveaux, là. Fight monsters and each other for amusement. I can almost smell the blood and sweat that permeates these stones. Je vais sauvegarder. Non, on va faire un truc. Parce que là, ça fait quand même longtemps, j'ai pas monté mes niveaux avec les orbes de Lys. Alors. Bon, hop, select, hein, on se fait pas chier comme d'habitude. Voilà. J'avais 16 trucs. Pour... Voilà. L'orbe de Lys s'est agrandi. Oh, oh. Voilà. Et vous, je m'en fous un peu. Les deux derniers. Ah, comme ça, au moins. Bon, nickel. Plus d'orbe de Lys, c'est bon. Allez, on sauvegarde. Comme toujours. Donc le Colisée, en fait, c'est quelque chose de... Bah, ça, je pense, dans tous les Tales of, ça vous permet d'affronter des monstres, des mini-boss, c'est plutôt pas mal. Même si je trouve que dans celui-là, c'est vraiment moins intéressant de jouer dans le Colisée que dans Grécisef. Grécisef, je l'ai même pas fait le Colisée, j'étais dégoûté, j'ai fini le jeu, j'ai dit « Merde, j'ai oublié le Colisée !» tellement je l'ai rushé. Et celui-là, bah, j'ai pris le temps et je me suis dit « Tiens, je vais faire le Colisée et tout » parce que dans Grécisef, j'ai dû rater un bon truc parce qu'il y avait plusieurs ennemis qu'on te disait qui étaient très très forts et tout. Et là, il n'y a rien, il n'y a même pas de champion, il n'y a rien du tout, c'est juste des mobs et c'est tout. Et en plus, c'est très très court à finir, donc... Un peu dégoûté du Colisée finalement, pas... C'est quand même sympa, hein. C'est quand même très sympa à faire. C'est un vrai challenge, hein. Pfiou, c'est hardcore. Let's see what you're made of. We're going to have you fight some of our clan's monsters. Take care. This is strictly practice, of course, but accidents happen. And don't hold back either. Speak to me again once you're ready. Mais on est prêt, mon pote. Hein, buddy, on est prêt. Fais-nous affronter ces petits monstres. Bien sûr. Allez, faudrait que j'aille à la boutique aussi acheter des trucs. Faudrait que j'aille acheter des trucs spéciaux à la boutique là. J'y penserai. Oh, now this is what I call an arena. Maybe you're a little too into this, Leia. Oh, come on! Aren't you ready to rumble? I'm not sure I'd put it like that. Your old wounds aren't acting up, are they? Huh? No. It's fine. Now that we're doing this, it's gonna have to heal whether it likes it or not. Time to start the test. Are you sure you're ready? Yes. Go ahead. We'll be watching from the stands. À l'assaut! Oh putain, sortez tous vos armes! Même si elles commencent un petit peu à se faire vieilles. Mais... D'ailleurs, j'ai dû me faire 3 tonnes de calme. Hein. Avec tous les ennemis que j'ai tués là pendant une heure de farm. Ok, bon, génial. Je tombe sur des espèces de mi-défenseurs là. Alors, vulnérabilité au feu, ok. Comme d'hab. Allez, tiens, meurs. Bam! Y en avait pas un qui était affaibli à. Ah. Je savais bien que j'en avais affaibli un à un moment. On va se le faire. Donc, ouais, le Colisée. Je dirais peut-être comparé à. Enfin, je compare plus mal. Grécisef, je l'ai pas fait, c'est pour ça que je sais pas trop de quoi je parle. Mais je pense que c'était plus un Colisée. Long, avec pas mal de boss qu'on ne voit que dans le Colisée, très sympa, très... Voilà, peut-être un petit peu scénarisé. Et autant ce Colisée-là est très court, mais alors par contre il est vraiment très intense, alors ça c'est vrai que c'est très très dur de gagner. Yeah, c'est tout? C'est ça leur entraînement, là? 3 modes? Too easy. I was afraid we might have to jump in and rescue you, but clearly that wasn't necessary. Of course not! We're unbeatable! My apologies. I guess I underestimated you. Just me?
Pretty sure everybody underestimates you. Hey, don't make fun of my friend. Sorry. Tomorrow's tournament will be even more challenging. They used to be fought to the death. It was the only way to determine the ruling clan. Whoa. Fortunately, things are different now. The current king of Azul outlawed that old practice. Sounds like the king's a real prince! Anyway, the real test will be tomorrow. I've gotten you rooms at the inn. Make sure to get a full night's rest. Bon, bah très bien. So, why build a coliseum up in the sky? To ensure a decisive battle. In the olden days, the loser would be the one who gets pushed out of the ring. Allez, retournons à l'auberge. Oui, je prends le bateau. Alors, montez à bord. Laisse-moi monter à bord. Yeah, le Colisée. People here sure get excited about these tournaments. Do you not like competitive sports? I don't have anything against them, but I don't get the appeal either. I guess that isn't very manly of me, huh? I don't consider that a bad thing. It definitely defines who you are. The world is far more interesting with people being different from one another. Thanks. That makes me feel a little better about it. But hey, don't get me wrong. I'm still interested in the tournaments from a cultural perspective. Don't they have some major significance in the history of Azul? The clans have a history of lengthy conflicts and a shared reference for individual strength. The purpose of the tournaments may be a way to unify the clans under their common belief. Let's hope that belief binds them together, rather than causing more turmoil. All these statues seem to be of great warriors from eras past. So when I get super strong, you think they'll make a statue of me too? It appears all of the statues in Shandu were carved by hand, without the use of spirit arts. Statue carving served as a part of a warrior's training. They sure had their work cut out for them. J'essaie de chercher en fait le magasin d'objets. Je me rappelle plus où est-ce qu'il est. D'accord. Oh, il y avait un magasin là-bas. Il y en a même pas. J'ai pas l'impression qu'il y en ait en fait. C'est bizarre. Bon. Tant pis. Allons à l'auberge. Ouais, c'est bizarre quand même. Je fais comment si je vais acheter du stuff? Bon, bizarre quand même cette histoire. Peut-être par là, il y en a. Il y avait pas un marchand ici dans un coin? Oh non. Normalement, je suis pas censé aller ici. Hein. Je suis pas censé y aller tout de suite. Alors, l'auberge, elle est où précisément? C'est la porte d'après. Voilà. La bouffe. Le programme grand luxe. Your family runs a hotel, right? Yep, the finest in Laurent. Hmm? I don't believe we saw more than a single hotel in our entire time there. That's false advertising! It is not! It's perfectly factual. Well, having a high-spirited girl like you behind the counter can't be bad for business. Got that right. In fact, I'm putting together a new package to pull in the tourists. Oh, what is it? First, my mom will pound out their tension points with one of her chiropractic bow staff massages. That sounds painful. Then, a complimentary bowl of Dad's famous Hammerzam stew. Hammerzam? Aren't those the monsters in the mines? It's a great deal, and I'll even give you guys the off-season discount. Ah, that sounds lovely, but I'll have to respectfully decline. Me too. Putain, je te jure, qu'est-ce qui me font rire. Bienvenue, vous devez être les invités du clan Kitarl. Monsieur Jürgen s'est déjà occupé de tout. Souhaitez-vous voir votre chambre? Je vais faire plus que la voir, je vais aller me coucher, se reposer. You look bright-eyed and ready to fight. Good. Today's schedule is packed. Because of the number of participants, the tournament organizers decided to cram all the fights into one day. One day? Sounds rough. We'll find out how many fights there'll be once today's matchups are announced. When you hear the bell tolling, come to the arena at once. That heralds the start of the tournament. We'll be waiting up at the arena.
I guess we have some time to kill. What should we do? I'm going to the plaza. Something's been bothering me. Oh, I'll come with you. I'll get too antsy just standing around here. Hmm. Maybe I'll tag along too. What should I do? Hey Jude, let's go sightseeing! I want to look around the city too. Oh yeah, you did say this place seems familiar. I shall escort Miss Elise. Will you accompany us? Sure, why not? Don't forget, race to the arena when you hear the bell. Allez. Donc là, on se sépare et puis on va tranquillement. Attendez, je vais juste regarder un peu la bouffe qu'il y a. Acheter. Donc des sandwichs, du pain perdu, pain à la patate. Et comme je vous avais dit, hein, déjà, j'en avais bien parlé pendant une ou deux vidéos. Vous pouvez trouver des recettes très sympas. Hein, biscuits au tofu, bah. Fromage aux fruits, alors ça c'est très spécial ça. Pâte à la bolo, bon ça tout le monde connaît. Omelette au soba. Omelette au soba, ouais, ça c'est. Je n'ai jamais essayé. Yakisoba, nanana. Il y avait des ramen, salade de pommes de terre, salade de fruits. Du riz au soda. J'ai toujours trouvé ça comme ça. Quoi? Bol de bœuf, curry mabo, soupe miso, soupe d'automne. Alors voilà, de poulet épicé. Ah ouais, putain, on peut développer les boutiques, tiens, on va en profiter. Alors, il me faut ça. Et j'ai pas trouvé grand chose sur la route, hein, c'est vrai que là. Ouais. Bon. Moi, ça me fera des réducs pour les prochaines fois où j'irai en magasin. Ici, il me faut le poisson. Bah, j'ai rien du tout. Ah, ça monte un petit peu en niveau quand même. Magasin d'armure. Tac, 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 il va me falloir ça. Ah là, j'en ai plein, tu peux y aller. C'est chiant parce que t'augmentes bien l'armure et pas assez l'arme alors que tu trouves plus souvent des armes que des armures. Enfin, bah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu con. Voilà, tiens. Putain, j'en avais trouvé de la plante, hein. Merde. Et magasin d'alimentation, donc des cristaux. C'est tout à fait logique. Ah, il y a la poudre d'or. J'ai pas trouvé grand chose, hein. Je me suis beaucoup battu, mais c'est vrai que j'ai pas. Bon, on sauvegardera après, là c'est pas important. Enquêter sur la chute de pierre. Donc, on va revenir sur le lieu du crime. Le lieu où on s'était pris le rocher sur la figure. Didn't come here to examine the debris? It's unimportant. Isla! You seem to have healed nicely. Yep, thanks to you. You know Alvin? No. It's fine, Dr. Isla. The good doctor here is actually taking care of my mother. Is that right? She's here in town? Oh, so that's why you have so much local knowledge. Her health's not so good. My father's gone, and I don't have any brothers or sisters. So the doctor keeps an eye on her when I'm away. You just told us more about yourself in 1 minute than you have since we met. If you say so. I just want to make her better so I can take her back home. Where's that? Is it far from here? Farther than you can imagine. Well, if there's anything we can do to help, don't hesitate to ask. Sure, yeah, if I think of anything. Jürgen, shouldn't you be at the arena? I had to run an errand. I didn't know you were friends of Isla. Yep. We didn't know you two were friends either. We're more than just friends. Isla's my fiancé. Fiancé. Wow, congratulations! Thank you. Isla, these people are serving as our clan's champions in the tournament. Is that so? Oh, marriage. I know what that is. May you breed like rats and produce many children that survive childbirth. The tournament's starting. I'm sorry. I'd come watch, but I have to work today. That's too bad. Pray for our victory. La cloche a sonné, c'est parti. T'as là un début de match de catch, on va y aller. Putain, on va y aller. Putain, mais ça m'énerve que j'ai pas de...
J'ai combien d'objets là? Gelée de pommes, j'en ai plus. Des gelées, nanana. Des fioles de résurrection, ouais. Un petit magasin d'objets, ça m'aurait quand même bien aidé, hein, je dois l'avouer. Est-ce que je peux m'y TP au colis? Putain, impossible. Ça m'énerve un peu là de pas avoir de magasin ou de truc. Y'a rien là-bas? Voilà, un petit truc. Voilà. Quartier central. On va y aller vite fait. Non. Rien du tout. Ça sert à quoi de te mettre des trucs comme ça là? Bah je suppose que je suis obligé de foncer à l'arène en fait. Donc. C'est un peu emmerdant parce que j'ai plus d'objets quoi. Enfin bon, c'est pas comme si j'allais galérer, hein, très sincèrement. Je suis parfaitement confiant. Je suis très très confiant sur ce petit combat de colisée. Oh, Jürgen, you were with them. Have their companions arrived? Yes, they're waiting. Jude, guess what? Jürgen and Isla know each other. They're actually engaged. You're kidding. When's the big day? Come on, stop it, you two. It's not for a while. And get this. Isla is taking care of Alvin's mom. It really is a small world. Wait, what's wrong with Alvin's mom? No need to worry about her, busybody. What about you? Learn anything about Elise? A little. She seems to have remembered something about her parents. Not enough to give us any clues, though. I see. Playtime's over. We're just about to get started. Head to the reception desk when you're ready. We're expecting big things from you. Knock 'em dead. Pas de quartier. Mais oui, pas de soucis. Ouais. Ça va, taste de boya comme d'habitude. Allez. Putain, on va sauvegarder enfin là. Il est quelle heure? Ça me permet de regarder quelle heure. Il est 18h41, d'accord. Alors. Ah, oh, bah voilà. On va re-sauvegarder après alors, du coup, mais. Ah. Putain, oui. Oui, je veux tous les objets. Ouais, surtout des fioles de résurrection, fioles de panacée, c'est bon. Prélève les affections. Ouais, il m'en fout aussi. Voilà. Ok. Hop. Magasin d'armes. Très sympa, je prends. Ça, c'est bon. Putain, j'ai déjà... Ok. Bon, bah voilà. Bon, donc ça c'est tout bon. On est tout bien équipé, c'est parfait. Et j'ai plus de sous pour les armures. Bon, on va en revendre. On va revendre des trucs. On va revendre ça, on va revendre ça, on va revendre ça, ça, ça. Voilà. Voilà, ça me fait un petit peu d'argent. Et acheter. On va pouvoir peut-être acheter quelque chose d'un peu mieux. Donc un petit plastron d'argent pour Jude. Toi. Ou plan aquatique. Pourquoi pas. Et j'ai déjà plus de sous, putain. Bon. Pas bien grave. Allez. Pas mal, pas mal. Allez, on re-sauvegarde. Et on va pouvoir attaquer encore de nouveaux combats. Hey, ça faisait longtemps, ça faisait une demi-heure qu'on n'en avait pas fait. Génial. Allez. C'est vraiment magnifique. Sauvegarde terminée. Go. Participer au tournoi. Non. Je refuse de participer au tournoi, je refuse de faire la quête principale, je me casse. C'est le type joueur H-Kite. Que le roi de Nachtigal et d'Ojoul se mette sur la gueule, j'en ai rien à foutre. Allez, participer au tournoi, bien sûr. On va essayer de sauver le monde. Comme d'habitude. And now our next combatants, the champions of the guitar.